Alors, pour introduire la méditation de ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre des rois. Donc, vous m'excuserez encore pour ma voix un peu chaotique. Moi, quand ça tombe sur les bronches, j'en ai pour quelques semaines, voire des mois parfois. Donc, premier livre des rois au chapitre 18, et on va lire à partir du verset 17. En apercevant Élie, Achab lui dit « Te voilà donc, perturbateur d'Israël ?» Il répondit « Ce n'est pas moi qui ai jeté le trouble en Israël, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez déserté les lois de l'Éternel, puisque tu as adopté le culte de Baal. Et maintenant, fais rassembler autour de moi tout Israël vers le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra, qui vivent de la table de Jézabel. » Achab envoya des ordres parmi tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. » Mais le peuple ne lui répondit pas. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, tandis que les prophètes de Baal sont 450. » Qu'on nous donne deux taureaux. Ils en choisiront un pour eux, le dépeceront, l'arrangeront sur le bois, mais sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Alors vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel, le Dieu qui répondra en envoyant le feu. Celui-là est le vrai Dieu. Tout le peuple s'écria, c'est bien dit. Alors Élie dit au prophète de Baal, choisissez l'un des taureaux et opérez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, puis invoquez votre divinité, mais ne mettez point le feu. » Ils prirent le taureau qu'il leur avait laissé choisir, l'accommodèrent, invoquèrent Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Oh Baal, exauce-nous » Mais point de voix, point de réponse, et ils se démenaient tout autour de l'autel qu'on avait dressé. Sur le midi, Élie les railla, disant « Criez plus fort !» Puisque c'est un dieu, quelques affaires l'occupent, une expédition, un voyage, peut-être dort-il, il s'éveillera. Ils appelèrent à grands cris, se tailladèrent, selon leur coutume, à coups d'épée et de lance, au point que le sang ruisselait sur eux. L'heure de midi écoulée, leurs transports continuèrent jusqu'au moment de l'oblation. Mais nul écho, nulle réponse, pas un signe. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel renversé de l'Éternel. Il prit à cet effet 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, et à qui la voix de l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il érigea avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel, et il pratiqua tout autour une tranchée de la contenance de 2 mesures de grain. Puis il déposa le bois, dépeça le taureau, le plaça sur le bois et dit « Emplissez d'eau 4 cruches et répandez-la sur le sacrifice et sur le bois ». Il ajouta encore et l'on obéit, une troisième fois et l'on obéit. L'eau ruisselait tout autour de l'autel et la tranchée même, on l'avait remplie d'eau. À l'heure de l'oblation, le prophète Élie s'avança en disant « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le vrai Dieu et tu auras ainsi amené leur cœur à la récipicence. » Le feu de l'Éternel jaillit alors, consuma la victime, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau de la tranchée. Tout le peuple à cette vue tomba sur la face et s'écria « L'Éternel est le vrai Dieu, l'Éternel est le vrai Dieu ». Un passage que l'on connaît, hein, le défi de Élie sur le mont Carmel. Un temps est extrêmement compliqué pour Israël. Le règne d'Akab et le règne de Jézabel. Jézabel est une des femmes les plus viles qui soient dans la parole de Dieu. Et quand on voit dans les lettres de l'Apocalypse, Jean qui dit de la part du Seigneur dans une des lettres, « J'ai contre toi que tu écoutes cette fausse prophétesse Jézabel. » Alors, il n'y a pas de preuve que cette femme qui se disait prophétesse soit Jézabel, que ça soit son nom. Mais il y a une relation directe avec cette Jézabel de ce passage, de ce temps de l'histoire d'Israël.
Israël avait, sous l'égide d'Akab, abandonné totalement le culte de l'Éternel. L'autel de l'Éternel avait été renversé, et pourtant c'était toujours le peuple soi-disant de Dieu. Il se nommait le peuple de Dieu. Mais il avait accepté que Baal, que les Akérah, soient adorés dans son pays, sur sa terre. La terre, l'héritage que l'Éternel leur avait donné, ils en avaient fait un objet de culte païen, un objet d'occultisme et un objet de détournement de l'héritage de Dieu pour se faire leur propre religion, pour quelque part faire le péché de Babel qui était de se faire un nom et d'agir sans l'Éternel comme Dieu, mais de se choisir le Dieu qu'il voulait. En l'occurrence, Baal et Akérah. Et il y avait le prophète Élie qui était sur la terre d'Israël. Alors Élie dit, je suis le seul prophète de l'Éternel. Effectivement, celui qui était le prophète le principal dans la terre d'Israël à ce moment-là, c'était lui. Et il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Akérah en plus grand nombre. Et là, il pose un défi. Il lance un défi à Akab et dit maintenant, le trouble que tu amènes dans Israël, vous notez une chose intéressante. Élie est celui qui apporte la voix de l'Éternel. Que dit Akab ? Te voilà le perturbateur d'Israël. En fait, tu nous empêches de tourner en rond. Toi et ta morale à deux balles, hein, et toi et ta Torah, toi et ta parole de Dieu, toi et ton obéissance à Dieu, toi et ta volonté de faire la volonté de Dieu, tu perturbes le peuple. On inverse les valeurs. Et il y a des moments dans le monde chrétien, celui qui va apporter un message de repentance, qui va apporter un message disant, obéissez à l'Éternel, revenez à l'Éternel, il faut que l'on cesse de faire notre propre volonté, il faut que nous allions pour agir selon le cœur de Dieu et non plus selon les modèles des hommes, non pas ce que le monde nous montre, non pas ce que Babylone nous montre, mais ce que l'Éternel nous dit dans la parole. Et souvent ces hommes-là sont nommés des perturbateurs du peuple, parce qu'on les empêche de danser et de tourner en rond comme ils le souhaitent. Tu es le perturbateur d'Israël. Et là, Élie rétablit tout de suite les choses. Non, c'est toi qui es le perturbateur, qui apporte le trouble dans Israël, parce que tu as apporté l'idolâtrie, tu as apporté le culte de Baal et d'Akérah avec Jézabel. Et parce que tu t'es marié avec une femme étrangère, qui plus est était idolâtre, qui plus est a voulu apporter l'idolâtrie dans le peuple de Dieu pour souiller le peuple de Dieu, c'est toi qui troubles Israël, c'est toi qui troubles le peuple. Ce n'est pas celui qui appelle à l'obéissance à l'Éternel qui trouble le peuple, c'est celui qui veut faire entrer l'idolâtrie et la pensée de l'homme plutôt que la pensée de Dieu. Si on paraphrase, on pourrait dire ceux qui veulent diriger l'Église comme une entreprise, comme le monde le fait, plutôt que de se satisfaire de ce que Dieu dit et d'obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, on voit bien que l'apostasie grandit dans l'Église, dans le peuple de Dieu, et la raison en est fort simple, l'idolâtrie a fait place au vrai culte de Dieu. Il ne faut pas se voiler la face, je sais que je ne vais pas être populaire en disant cela, peu m'importe. Moi, je préfère dire les choses telles que Dieu les dit. Le Seigneur a dit, obéissez-moi, conduisez-vous selon ma parole, agissez selon mon cœur, cherchez ma pensée, cherchez ma face de manière à ce que je puisse me révéler à vous et obéissez à toute ma parole. Pas ce qu'on croit être la parole de Dieu. Pas tordre la parole de Dieu pour faire ce qu'on a envie. Pas agir dans l'Église comme si Dieu devait bénir ce que nous décidons de faire et que quand le Seigneur nous demande d'obéir aux choses les plus élémentaires, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas la volonté de le faire. Donc il y a une remise en question, non seulement dans nos assemblées, mais chaque chrétien, personnellement, est face à cette responsabilité de
se placer devant Dieu pour chercher sa pensée et pour chercher sa parole, pour chercher sa face et comprendre ses paroles par les puissances du Saint-Esprit. En d'autres termes, Élie ramène le peuple à Gilgal. Ça fait un peu suite au cours Zoom, au dernier cours Zoom, mais Élie ramène le peuple à Gilgal. Vous notez que l'autel de l'Éternel a été renversé. On a établi des autels pour Baal, pour Akéra, et tous les autels de l'Éternel ont été renversés par les prophètes de Baal, par Jézabel et par le roi Akab. C'est-à-dire que on ne veut plus que l'Éternel soit adoré, on ne veut plus que l'Éternel ait le contrôle, l'autorité sur la terre d'Israël. Et c'est précisément l'esprit de Babylone, ça, qui dit « Faisons-nous un nom, bâtissons-nous une ville et une tour. » C'est-à-dire « Faisons-nous une civilisation, faisons-nous un nom, c'est-à-dire que nous sommes nos propres maîtres, nous sommes nos propres dieux, et l'Éternel, nous lui refusons toute autorité sur sa création. » Et Israël, qui est censé être le peuple témoin de la vie de l'Éternel, le peuple qui est la dîme de tous les peuples, un peuple qui est un monde dans le monde, mais un monde qui vit selon la pensée de Dieu, l'autorité de Dieu, selon la Torah de Dieu. Eh bien, quand ce peuple-là est gangréné par des Jézabel, eh bien, l'autel de l'Éternel est renversé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est d'autres dieux qui prennent la place. C'est Babylone. C'est Babel. C'est-à-dire que Akab dit, on va se faire un nom. On ne veut plus de l'Éternel. On lui refuse toute autorité sur nous, alors que c'est l'Éternel qui a donné à Israël en héritage cette terre. Eh bien, nous allons la souiller. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et que fait Élie? Il prend 12 pierres, qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Ça nous rappelle Gilgal, les 12 pierres qui sont sorties du Jourdain et les 12 pierres qui ont été prises de la terre pour être placées dans le lit du Jourdain. Élie est en train de replacer le peuple devant ce qu'il n'aurait jamais dû quitter, Gilgal. Vous avez noté que pendant la conquête du pays de Canaan, Israël, le peuple, devait revenir constamment à Gilgal. Il devait revenir toujours à Gilgal après une conquête, avant d'aller à une autre conquête. Et le jour où ils ne l'ont pas fait, parce qu'il y avait une toute petite ville qui s'appelait Haï, une toute petite ville, on n'est même pas obligé d'emmener toute l'armée, quelques soldats, et hop, elle va être déblayée. Ils ne sont pas revenus à Gilgal. Ils n'ont pas écouté la parole de l'Éternel. Ils ne sont pas revenus à Gilgal. Ils ont dit, allez, dans notre lancée, on y va, on va les massacrer, puis ça sera bien. Et ils ont pris la plus grande défaite qui soit. Ils se sont fait laminer par une toute petite ville. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'était plus avec eux. Qu'est-ce que c'est Gilgal? Gilgal, c'est notre dépendance à Dieu. Gilgal, c'est la roue, on a vu ça dans le cours Zoom, hein. C'est une roue. Gilgal, c'est constamment que ça revient. Il faut toujours revenir à Gilgal. En d'autres termes, il faut toujours porter sa croix. C'est revenir à toujours porter sa croix. Chaque jour, c'est un cycle sans fin. Tous les jours de nos vies sur cette terre, dans cette dispensation-là, nous devons toujours aller à Gilgal. Nous devons toujours porter notre croix. Et donc là, Élie, il dit, allez, je rebâtis l'autel de l'Éternel avec les 12 pierres de Gilgal. Le peuple comprenait ce que ça voulait dire, les 12 pierres là. Ils connaissaient leur histoire tout de même. Et donc les 12 pierres qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et il met le bois, il prépare le taureau, il le met sur l'autel. Et qu'est-ce qu'il demande? Il aurait simplement suffi que le feu du ciel descende et consume l'autel, consume le sacrifice, consume le bois. Le peuple aurait cru. Mais non, il va plus loin. Il prend 4 cruches d'eau et il demande à ce qu'on les déverse sur l'autel, sur le sacrifice,
qu'on imbibe d'eau tout l'autel et tout le sacrifice, jusqu'à une tranchée qu'il a fait autour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est dire au peuple, vous avez été sortis d'Égypte à travers l'eau. Vous avez été baptisés dans la mer. Eh bien, c'est encore Gilgal. L'eau du en haut, l'eau du Jourdain qui vient couvrir l'autel de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'autel de l'Éternel? C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui porte le sacrifice. Le peuple d'Israël qui porte son Mashiach. Mais il faut qu'il passe par l'eau du Jourdain. En d'autres termes, Gilgal est impossible à vivre. Porter sa croix, c'est impossible. On n'est pas capable. On ne peut pas le faire. Hey, mais attendez, le Seigneur nous a demandé de porter notre croix chaque jour. Ça veut dire quoi? Eh bien, Jésus vous mettra toujours face à l'impossibilité d'agir. Parce que quand on croit qu'on peut agir, qu'on peut faire quelque chose, l'homme voudra toujours se faire un nom. L'homme a une tendance naturelle à dire « je vais obtenir mon salut par moi-même ». Regardez la différence entre Élie, l'action d'Élie et l'action des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, ils commencent à faire leurs incantations, à crier, à hurler, à prier à haute voix. Et comme ça suffisait pas, ils criaient encore plus fort. Il fallait que l'émotion vienne. Parce qu'ils se sont dit, avec l'émotion, on va pouvoir avoir notre puissance occulte. Parce qu'il faut pas rêver. Babylone, c'est quoi? Kasdim. Kasdim, la racine de Kasdim, c'est Shad. Shad, c'est démon en hébreu. Les Chaldéens, Kasdim, vous pouvez dire Chaldéens. Et d'ailleurs, vous notez que quand on allait chercher des magiciens, on les appelait les Chaldéens. Pourquoi? Parce que les Chaldéens avaient demandé l'aide, donc Babylone, Babel, avaient demandé l'aide des démons pour se rebeller contre Dieu. Et Kasdim, vous avez un Raf, Kaf, Kasdim, Shin, Dalet, Yod et Mem. Et vous pouvez avoir la traduction qui dit « comme » des démons. Donc les Chaldéens sont comme des démons. Je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, d'Ur, donc Ur Kasdim, je t'ai fait sortir de la lumière qui sont comme des démons, qui sont avec les démons. Et donc, ces hommes-là espèrent avoir l'aide des démons pour pouvoir montrer au peuple que leur dieu Baal et Akhéra sont des divinités que l'on peut suivre parce qu'ils vont répondre à leurs suppliques. Et comme ça ne suffit pas les cris, Élie à un moment se moque d'eux. Il est peut-être parti en voyage ou alors il dort, il faut le réveiller. Donc insistez, allez-y, allez-y, il va bien finir par se réveiller, l'heure de la sieste va être finie. Alors comme ça suffisait pas, eh bien on va se châtier soi-même. Et là il commence à se lacérer. Ça nous fait penser à quoi? À des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur salut par leur propre force. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas de la croix. Ils ne veulent pas du sacrifice gratuit de Dieu. Non, je me sauverai moi-même. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Donc le Seigneur n'a rien à me reprocher. Moi, je suis mon parfait petit saint. Il n'a rien à me dire. Non, tu es pécheur. Non. Moi, je sais que ce mon long ma logique, voilà, j'ai ma petite religion, j'ai monument à moi, mon petit hôtel à moi, j'ai mon sacrifice à moi, je prie comme je l'entends et je serai sauvé parce que j'ai jamais rien fait de mal. Or la Bible dit tout homme est pécheur. Il y a la Bible et il y a ce que je pense moi. Très bien. Et donc là, eh ben, on essaye d'obtenir le salut par ses propres forces. Donc on va se taillader, on va peut-être agir un peu comme les ascètes. On va se priver, on va essayer de mériter son salut, on va essayer de mériter quelque chose. Et ça, c'est les prophètes de Baal. Ça, c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine qui est issue de Kasdim, des Chaldéens. Et Élie dit,
Bon, ben visiblement, il ne répond pas. Parce que quand vous mettez Dieu à l'épreuve, aucun démon ne peut agir. Parce que Dieu est Dieu. Qu'on le veuille ou non, que l'homme l'accepte ou non, Dieu est Dieu. Personne ne peut le nier, ça. Et Élie, la différence, c'est qu'il va mettre le peuple face à une impossibilité. Quand vous êtes devant votre Gilgal, quand vous ouvrez, vous roulez la pierre de votre tombeau, ce que vous voyez est tellement sombre, est tellement mauvais, est tellement répugnant. Quand vous voyez vraiment, quand le jugement de Dieu passe sur vous et que vous voyez vraiment tel que vous êtes, c'est tellement répugnant que vous dites, c'est pas possible. Je ne peux pas porter ma croix. Il est impossible que je porte ma croix. Gilgal est trop dur pour moi. Je n'y arriverai pas. Le fait même de rouler la pierre, c'est moi qui accepte que le jugement de Dieu passe sur moi. On a vu ça dans le cours Zoom. On accepte que le feu de Dieu passe sur notre vie pour nous révéler ce qui n'est pas de Dieu. Et quand on voit cela, on se dit, mais c'est pas possible. Le Seigneur vous montre que la croix que vous devez porter est un fardeau qui vous écrase. Et alors la question, c'est, Seigneur, qui va me sauver? Jésus vous mettra toujours face à votre impossibilité, à votre incapacité de satisfaire son cœur. Le jeune homme riche est venu voir Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter du royaume, donc du Olam Haba? Eh bien, tu respecteras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et le second commandement qui lui est semblable, et tu aimeras ton prochain qui est différent de toi comme toi-même. Sous-entendu, il reprenait Hillel, c'est-à-dire tout est résumé dans l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et le jeune homme, il dit, je respecte cela depuis mon enfance. Je respecte toutes les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qui me manque, maître? Certain qu'il lui manquait rien, puisqu'il avait ça. Il respectait à la lettre le commandement de Dieu. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Tu vends tous tes biens, tu les distribues aux pauvres, et ensuite tu me rejoins et tu me suis. Et le cœur, la Bible nous dit, et le cœur de ce jeune homme s'alourdit. Et il s'attrista parce qu'il avait de grands biens. Et il partit tout triste. J'ai toujours aimé ce passage où il est dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima parce qu'il a vu qu'il était sincère. Il a vu qu'il était quelqu'un qui voulait satisfaire le cœur de Dieu, mais il y avait encore quelque chose qui le maintenait ici. C'était sa richesse. Alors là, oui, c'est une richesse matérielle, mais nos richesses peuvent être différentes. La richesse, c'est nos propres pensées, notre propre religion, notre propre philosophie, notre propre personne, ça peut être notre richesse, notre désir de rester dans un confort qui est le nôtre et ne pas aller à l'aventure de la foi, tout cela, ce sont nos richesses. Tout ce qui va nous empêcher de nous abandonner à Dieu, c'est notre richesse. Et alors, souvent, le Seigneur va nous dire, il te manque, il te manque. Et ça peut être lassant, parce qu'on se dit, mais Gilgal n'est pas vivable. On ne peut pas vive Gilgal. On ne peut pas vivre la croix. On ne peut pas. Et Jésus dit à ses disciples, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc on pense que c'est la porte de l'aiguille à Jérusalem. Quand les chameaux étaient chargés, ils ne pouvaient pas passer. C'était impossible pour un chameau de passer. Donc il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Alors, les disciples avaient très bien compris qu'on pouvait être riche, mais pas que de richesses matérielles. Eux-mêmes ont compris qu'ils pouvaient avoir leur propre richesse, qui était leur propre moi, leur propre vie, leur propre désir. Et ils se sont dit, mais qui peut être sauvé? Et Jésus répond la phrase qui nous délivre de toute chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le Seigneur nous place devant la croix, devant Gilgal? Devant l'impossibilité de satisfaire son cœur. Parce qu'il sait très bien qu'à partir du moment où nous savons que nous sommes capables de le faire, nous ne regardons plus à lui. Nous détournons les regards de lui et nous agissons de notre propre chef, de notre propre autorité.
C'est la nature de l'homme. Alors, le déluge tombe sur nos vies, sur le sacrifice. Et là, Élie prie tout simplement. Ô Éternel, tu es le Dieu d'Israël. Tu es le seul vrai Dieu. Réponds à ma prière. Et que ton feu, le feu du ciel, vous notez que là, il y a le feu du jugement, c'est vrai. Mais il y a le feu de la révélation. Tout comme le feu révélait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël quand il était dans le désert sur le tabernacle, tout comme le feu avait consumé le parfum sur l'autel des parfums, c'était le feu de Dieu, c'est-à-dire l'approbation de Dieu. Le sceau de Dieu vient transcender nos incapacités. Jésus disait, mon joug est léger. Mon joug est léger. Seigneur, tu es en train de me montrer que la croix est un fardeau qui m'écrase. Je peux pas le porter. Voilà, tu as compris. Tu ne peux pas le porter. Seigneur, tu es en train de me faire réaliser que Gilgal, je peux pas le vivre. Parfait. C'est ça que je veux entendre. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas capable de satisfaire mon cœur. Donc, tu dois apprendre à dépendre de moi. C'est moi qui vais porter le fardeau pour toi. C'est moi qui suis monté sur la croix. C'est moi qui ai subi les quatre façons de mourir pour toi. Alors toi, qu'est-ce que tu as à faire? Eh bien, tu viens te placer devant moi et tu dis simplement, Seigneur, Gilgal est trop grand pour moi. Golgotha, c'est trop grand pour moi. Me charger de ma croix, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas. Mais par ta grâce, c'est par ta grâce, Seigneur, que j'accepte de prendre la croix comme mon fardeau. Alors, je me charge de ma croix par la foi, mais comptant sur ta grâce pour que tu le portes pour moi et à travers moi. Et pour ce faire, Seigneur, eh bien, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte que le feu de ton jugement vienne consumer tout ce que je suis. Vous avez noté que l'autel même a été consumé. Israël a été consumé. Notre vie est consumée. C'est-à-dire cet Israël idolâtre, cet Israël qui a voulu reproduire Babel, cet Israël qui a dit « je rejette mon Dieu ». Notre vie, nous, qui dit « je préfère laisser au Saint-Esprit quelques aspects de ma vie, mais pas toute ma vie ». Eh bien, le Seigneur te dit, je vais consumer toute ta vie comme un sacrifice d'agréable odeur. Paul ne nous dit pas autre chose. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Ce sera pour vous un culte raisonnable. Culte raisonnable, Seigneur, que je meure, que je m'offre en sacrifice, et tu appelles ça un culte raisonnable. Mais je ne comprends pas comme ça. Non. Si tu gardes un seul aspect de ta vie sans être sous le contrôle de Dieu, la croix t'écrasera. La croix sera un fardeau et tu vas sombrer à Gilgal. Tu vas sombrer dans les eaux d'en bas. Et le Seigneur te dit, c'est parce que moi je suis dans le Jourdain, typifié par l'arche d'alliance portée par les Lévites. C'est parce que j'y suis que tu peux passer le Jourdain. Si je n'étais pas dans le Jourdain moi-même, tu ne pourrais pas traverser et tu ne pourrais pas, comment dire, prendre possession de ton héritage. Et si tu peux porter ta croix aujourd'hui, c'est parce que moi je l'ai portée avant toi. C'est parce que moi j'ai subi le sacrifice. C'est parce que moi j'ai subi la croix que tu peux le faire. Parce que je le ferai pour toi. Comme je l'ai fait jadis, je le fais en permanence. Gilgal est une roue. Gilgal est quelque chose de permanent. Gilgal, c'est le sacrifice de Jésus qui vous permet de traverser l'impossible. C'est le sacrifice de Jésus qui peut rendre possible l'impossible dans votre vie. Seigneur, je ne peux pas pardonner à mon frère.
Seigneur, je ne peux pas me défaire de cette mauvaise habitude. Seigneur, je ne suis pas capable de... Oui, tu n'es pas capable, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. La croix est impossible à porter. Gilgal est impossible à traverser. Mais, parce que Christ l'a fait pour nous et que nous vivons par la grâce de Dieu, que nous vivons de la vie du Christ, alors le fardeau est léger. Et traverser le Jourdain, nous le traversons à pied sec. C'est parce que notre Seigneur l'a fait que nous pouvons le faire. C'est parce qu'il est le premier-né que nous pouvons ressusciter. C'est parce qu'il est en toute chose le premier que nous pouvons le suivre. Mais si on s'imagine qu'on peut prendre un autre chemin que Gilgal ou un autre chemin que la croix pour obtenir le même résultat, nous leurrons nous-mêmes. Nous faisons fausse route. Alors oui, parfois, vous allez être confrontés dans votre vie à la croix qui paraît une montagne, être une montagne devant nos pas, infranchissable. Ça donne l'impression que Gilgal, le Jourdain, s'est pas retiré. Et le Seigneur nous demande de traverser. Et vous avez remarqué que c'est quand le premier Lévite a posé le pied dans l'eau que le Jourdain s'est arrêté de couler. Quand Christ a commencé à aller dans l'eau, le Jourdain s'est arrêté. Et le peuple a pu traverser à pied sec. Ce qui est impossible pour vous aujourd'hui n'est pas impossible pour Dieu. Il n'y a pas d'œuvre impossible pour Dieu dans votre vie. Vous pouvez avoir le sentiment que vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez avoir un sentiment de découragement en vous disant « Oh, quoi bon continuer ? De toute façon, je suis tellement faible, je suis tellement minable, j'ai tellement de failles dans ma vie, je n'arrive à rien, il y a cette chose qui se colle à moi comme le mal est tapis à ta porte, il est là, il me colle, il est constamment en train de m'environner. Pff, à quoi bon ? Pourquoi on réagit comme ça ? Parce qu'on se fait une idée de ce qu'est l'œuvre de Dieu pour nous et on se dit « pour mériter quelque part. » Pour mériter mon salut, il faut que j'honore mon Dieu. Et pour l'honorer, je dois être comme ça. Le Seigneur nous dit non. Non, ça c'est ton idée, ça. Ça c'est ce que tu crois, toi. Mais moi, ce que je te dis, celui qui croit en moi, celui qui met sa confiance en moi, celui qui ne regarde plus à lui, mais qui regarde que moi, parce que je suis dans le Jourdain, parce que je suis jeté sur la croix, alors vous pouvez me suivre. Cessez de regarder à votre tempête. Cessez de regarder à votre vie. Cessez de regarder à vos manquements. Cessez de regarder à vos faiblesses. Mais regardez à celui qui est plus que vainqueur. Et vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est ça le secret de la croix. Oui, la croix est impossible à porter. Oui, Gilgal est infranchissable. Si nous voulons le faire par nos propres forces. Mais la croix est légère et Gilgal est à pied sec si nous suivons le Christ qui est passé en premier. Il est là le secret de la victoire. Et n'essayons pas d'imaginer ce que doit être l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il a promis une chose. L'œuvre que j'ai commencée, je l'accomplirai jusqu'à mon retour, a dit Jésus. Est-ce qu'on croit Jésus ou est-ce qu'on croit nous ? À qui faisons-nous confiance ? À notre propre jugement ? Ou à ce que Dieu a dit en Jésus-Christ ? Jésus a dit, je rendrai cette œuvre parfaite dans ta vie. Mettez votre nom. Jésus te dit, mon frère, ma sœur, je rendrai mon œuvre parfaite pour le jour où je viendrai te chercher. Il ment ? Ou est-ce que c'est nous qui avons un mauvais regard et une mauvaise vision? J'ai plus tendance à croire mon Seigneur, qui a tout accompli, qu'à croire toutes les fois où je me suis moi-même jugé, ou croyant que j'étais comme ci et comme ça, puis qu'en réalité, c'était pas vrai. Parce qu'on est soit super complaisant envers nous-mêmes, ou super accusateur, on n'a pas une vision claire de nous-mêmes. Pour avoir une vision claire, il faut l'esprit du jugement de Dieu. Il faut le feu du jugement de Dieu sur nos vies. Autrement, on ne voit pas ce que nous sommes. Alors, on accepte le jugement de Dieu qui va révéler des choses qui ne nous plaisent pas. Et alors, on va se dire, non, c'est pas possible. Je n'arriverai jamais à être sanctifié.
Mais on est sanctifié parce que c'est Christ qui nous sanctifie. Il a été fait sanctification pour nous. Il a été fait justification pour nous. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, ça? Il a été fait justification pour nous. Si nous sommes justes, c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce que lui nous a rendus justes. Si on est sanctifié, c'est pas parce qu'on a réussi à se mettre à part par nos mérites, c'est parce que lui s'est déjà mis à part et qu'en vivant en lui, nous sommes mis à part en Jésus-Christ. Notre sanctification, c'est lui. Notre justification, c'est lui. Notre paix, c'est lui. Notre shalom, c'est lui. Alors, quand Jésus est tout pour nous, quand Jésus accomplit tout pour nous, la croix est légère puisqu'il l'a portée lui-même. Mais à partir du moment où on se dit, Seigneur, je vais être juste pour toi. Ouh, ça commence à être écrasant. Parce que vous avez vu le sermon sur la montagne. Vous avez entendu dire que celui qui commet adultère avec une femme. Mais moi je vous dis que celui qui a déjà convoité, a posé le regard sur la femme de son voisin pour la convoiter, il a déjà fait adultère avec elle dans son cœur. Celui qui convoite le bien de son... Jésus nous mettra toujours devant nos incapacités. On n'est pas capable. On peut pas. Le Seigneur te dit, alors maintenant tu n'as qu'une seule solution. Tu t'appuies sur moi et c'est en moi que tu vas vaincre. Tu peux pas être juste. Tu ne peux pas être sanctifié. Tu ne peux pas travailler sur toi-même pour être mieux. Ben, Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation sur ta chair. Elle doit pourrir dans le tombeau. Ah. Et quand on ouvre le tombeau de nos vies, quand on roule la pierre de nos vies, qu'est-ce qu'on voit? Oh! On voit cette chair putride qui est là. Ça sent mauvais, c'est moche, ça pue. Et on se dit, mais qui va me sauver de ça? Nous, on a juste la volonté de dire, ok, je roule la pierre et ce que je vais voir, c'est pas très joli, mais tant pis. Ça fait plusieurs jours, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, Seigneur. Il sent déjà rouler la pierre. T'es sûr de ce que tu me demandes, Seigneur, hein? T'es certain que tu veux que le Saint-Esprit révèle tout ce qui est en moi? Ça me fait peur, parce que ça va pas être joli à voir, je sais. Seigneur, c'est mieux que nous. Et puis du sein de la mort, là, qu'est-ce qui se passe? Une parole de Jésus. Lazare, sors! Là, c'est plus nous. C'est plus Lazare. C'est la puissance de résurrection en Jésus-Christ qui porte même le corps de Lazare jusqu'à l'extérieur. Il était encore enveloppé. Il ne pouvait rien faire de lui-même. C'est la puissance de Dieu qui nous fait ressusciter. Et c'est là où le fardeau est léger. Parce que nous, on voit la mort quand on se place devant Gilgal. On voit la mort quand on voit la croix. Et c'est ça qui nous fait dire, ah, c'est trop dur, je ne peux pas aller à la mort comme ça, la fleur au bec. Et le Seigneur te dit, vas-y. Par ma grâce, vas-y. Tu dois rouler la pierre. Rentre dans le Jourdain. Prends ta croix. Mais c'est trop lourd. Porte-la, vas-y. Et tout d'un coup, en portant la croix, en acceptant la mort, vous êtes transporté en un instant dans la vie de résurrection. Et vous avez la victoire. Pourquoi? Parce que ça encore, c'est une grâce de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans votre vie pour vous rendre vainqueur, pour pardonner à votre frère, pour vous défaire de votre mauvaise habitude, pour faire de vous quelqu'un qui était timide dans la foi, pour être un conquérant, pour être quelqu'un de nouveau, une nouvelle création. C'est la grâce de Dieu. Donc, devant nos croix qui nous paraissent si énormes à porter chaque jour, faisons le pas de la foi en disant, je crois, Seigneur, que ton fardeau est léger. Elle me paraît immense, ça me paraît impossible, peu m'importe, ça c'est mon jugement. Mais toi, tu m'as dit que ton fardeau était léger. Tu m'as dit que je pouvais traverser le Jourdain. Tu m'as dit que je pouvais rentrer dans Gilgal. Alors par la foi, je le fais. Et qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté du Jourdain? Vous avez votre héritage. Qu'est-ce que vous voyez au-delà de la croix? Vous voyez votre résurrection. Et vous êtes assis à la droite du Père, en Jésus-Christ, dans la victoire. Lech le Shalom.